Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, je suis ravie de vous retrouver parce que je reviens du magasin Action, et oui, parce qu'il me manquait quelques petits trucs et du coup j'y suis retournée grand mal m'en fasse puisque j'ai encore craqué pour certaines choses que je voulais vous présenter tout de suite. Alors je vais suivre les petits tickets de caisse, ça ira plus vite. Alors j'ai pris de la peinture en spray comme ceci. Parce qu'on a racheté des meubles avec Balou et du coup il y avait des paniers en osier, du coup je les ai repeints avec ça. Malgré tous mes efforts pour tout bâcler avec deux bombes, il n'y en avait pas assez, du coup on est allé en rechercher deux nouvelles. Et puis il me semble que j'ai encore d'autres paniers en osier dans un autre coin, donc du coup on en a pris deux autres. Ce qui fait que ça nous en a fait 4. Et on en a pris du coup... elles étaient à 2,19€. Donc il en a pris 2 à sa charge et j'en ai pris 2 à ma charge. Donc ce qui nous a fait 4,38€. Et quand vous multipliez ça par 2, ça fait 8,76€. Donc 8,76€ pour les 4 bombes. Alors que 8€, normalement, ça fait le prix d'une chez Brico Marché ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà. Ensuite, j'ai pris aussi une bombe de blanc. Voilà, excusez-moi pour le bruit. Mais parce que j'ai trouvé, et j'en suis ravie, dans un dépôt-vente, j'ai trouvé un valet de chambre qui était en très bon état. Il suffit juste de repasser un petit coup de lac, enfin de spray blanc à certains endroits. Donc du coup 2,19€ aussi pour cette bombe là. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cet achat parce que honnêtement je cours après depuis au moins 2 ans. C'est un valet de chambre, c'est en fait un cintre sur trépied. Vous avez donc le mien est double, vous avez des tirettes sur le côté pour mettre par exemple les bijoux, donc normalement c'est censé être pour les cravates, mais du coup c'est pratique pour préparer sa tenue du lendemain quand on bosse par exemple et qu'on veut vraiment avoir ça de près le matin et pas galérer à trouver culottes, chaussettes, machin. Tu mets tout sur ton valet de chambre et le matin tu te lèves, t'as plus qu'à t'habiller, c'est super pratique. J'ai pris un nettoyant pour mes écrans, donc que ce soit télé, que ce soit ordinateur ou tablette, parce que quand ils sont cracra, vaut mieux nettoyer avec quelque chose qui est dédié à ça plutôt que de laver avec je sais pas, de l'eau ou du savon qui risquerait d'abîmer les surfaces. Du coup, je l'ai payé 1,79€ et il y a la chiffonnette qui vient dedans aussi avec le nettoyant. Donc ça, c'est plutôt positif. Et j'ai repris une bombe d'air comprimé pour fraîche pour pouvoir nettoyer en fait tout ce qui est le disque, enfin le clavier en fait des ordi, ainsi que le ventilo qui s'encrasse en fait à chaque fois que vous avez trop de poussière. Et ça coûte 2,99€, mais j'en ai déjà déglingué 2 bombes. C'est vraiment pratique, ça nettoie vraiment bien. Et visiblement, il montre aussi que ça peut faire pour les appareils photo, donc je verrai bien. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose que je rachète régulièrement. Donc j'aime beaucoup en avoir d'avance parce que un pchit, et en plus ça rafraîchit le ventilo quand il surchauffe. Donc ça aussi, c'est un avantage par rapport à un nettoyage classique. Et pour finir, vu que je vous ai fait une revue sur le maquillage que j'ai trouvé chez Action, qui est d'ailleurs le maquillage que je porte aujourd'hui, j'ai retiré le rouge à lèvres que j'ai acheté précédemment en fait, qui est un magnifique bordeaux qui tire sur le pourpre, il est sublime. Et du coup je m'en suis pris 3 autres. Donc je me suis pris la teinte 300 qui est un petit rose, voilà, rose pétale. Je me suis pris la 330. Alors celui-là c'est le Essential Pink. Le 330, c'est le Essential Burgundy. Et le 70, c'est le Spicy. Donc, je ne sais pas lequel des trois j'ai envie de tester prochainement. Mais du coup, restez avec moi à la fin de cette vidéo. Je vous ferai pique-nidouille, c'est toi l'andouille, pour trouver la teinte que je vais tester avec vous en direct. Voilà. Et on passe ensuite au ticket de Sébastien. Parce que Sébastien a voulu aussi acheter des petits trucs de bricolage. Donc, je vous les montre au cas où. Alors, il y a du pinceau. Alors,
Il y a du pinceau, il y a tout cet ensemble-là. Je vais vous montrer vite fait parce que ils ont des numéros, mais du coup, je ne saurais vous dire lequel est lequel. Ah, si, il y a les numéros dessus. Donc, je vais tous les sortir. Et vous voyez qu'il y en a un paquet parce que c'est sa mère qui lui a demandé de nouveaux pinceaux. Et vu qu'on lui a dit qu'il y avait des magasins pas chers à Reims, donc du coup, on en a profité pour... pour lui reprendre des pinceaux. Donc des pinceaux comme ça, en numéro 2, c'est des pinceaux plats base essence térébenthine à 95 centimes. Donc tout simple, hein. Ensuite, le pinceau V7 numéro 2, pinceau synthétique plat, il était à 95 aussi. Le pinceau plat à base V7, lui était à 69 centimes en taille 1, voilà le tout petit petit. Les pinceaux blancs comme ceci qui étaient de taille 1 aussi, alors eux ils sont à 59 centimes, ceux-là là, en blanc et rouge. Ensuite le gros pinceau plat numéro 3 était à 1,29€ celui-ci. Celui-ci, le pinceau numéro 6 était à 45 centimes. Le 8 était à 49 centimes et le pinceau numéro 12 était à 65 centimes. Donc voilà, là c'est vraiment du pinceau, du bricolo, donc voilà. Et puis on a aussi opté pour un... Alors ça c'est rigolo parce que c'est un marteau, mais humoristique, où il y a en fait tout simplement un ouvre-bouteille dessus. Donc voilà, il est en inox et c'est un ouvre-bouteille et il nous a coûté 1,69€. Donc ouais, c'est pour faire une petite blague, c'est rigolo. Et pour terminer, on a pris un cube photo comme ça, où vous pouvez mettre toutes vos photos en 3D. Mais seulement ça, c'est un cadeau, donc je vous donnerai pas le prix. Ça, la personne ne saura pas. Voilà, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc si je donne le prix, ça craint un peu du boudin. Donc voilà, c'est pour mettre en fait des photos de la personne et de Hugo ensemble pour que voilà, elle puisse avoir ça à portée de main et pouvoir penser à nous de temps en temps. Et maintenant que tout ça est terminé, on passe. J'ai choisi de tester le 300, le Essential Pink, pour voir un petit peu la couleur qu'il a. Et il a des reflets de fou, hein. J'avais pas vu, mais... Alors, est-ce que vous allez voir? Il a des paillettes un petit peu dorées à l'intérieur. Rose, mais avec des paillettes. Et honnêtement, le Bourgogne, en fait, celui que j'ai utilisé avant, il a tenu, mais vraiment très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai été incitée à prendre tous ceux qu'il y avait dans le magasin cet après-midi. Voilà. Ah, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils tiennent trop bien. La couleur est vraiment trop belle. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre que ça sèche, étant donné qu'il y a une deuxième couche de baume par-dessus, en fait. Voilà. Et donc, je vais attendre que ça sèche, en fait. Et c'est vraiment des rouges à lèvres magnifiques. Regardez, il est très joli. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Du coup, voilà, vous avez la Total Look Action. Donc, je vous invite quand même à aller regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce make-up. Et puis, me dire aussi ce que vous aurez pensé de mes achats. Je sais que là, c'était un petit peu barbant parce que les pinceaux, à la limite, bon... C'est pas génial, mais bon, sur ce, ben, je vous dis que la vie est belle en rose. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort. Bisous, à bientôt, ciao. Have you ever felt... Are you listening? Damn.